tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la Family Cutie, la chaîne Family Cutie. Petit retour de course, on vient juste de revenir, il fait trop chaud, c'est l'été, non on rigole, non. Il caille toujours autant, il y a du vent, il pleut, c'est la merde. Donc j'ai pris deux pizzas comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, deux pizzas chorizo, Fiorini, 1,69, hein, voilà. Donc c'est très bon, c'est délicieux. Chabriot, Gaufrette. Bon, ça aussi, on gagne. Donc voilà, Gaufrette. C'est super bon. C'est bon. Voilà. J'ai pris, toujours dans le domaine des gaufrettes, chez Chabriot, des fines gaufrettes noisettes chocolat. Elles sont très bonnes, elles sont fines. C'est bien. C'est... Comme le dit la boîte, elles sont fines. Alors, on va passer à la chaîne du froid, car la chaîne du froid, c'est vrai. Alors, on a pris des... Magnum. Adélis. Ah non, des colosses. Des colosses. Colosses. Colosses d'Alaska. Voilà. Et... Adélis, chocolat blanc. Oui, chocolat blanc, ça se voit. Adélis, chocolat, candidat d'amour. Oui. Donc, voilà. Ça, c'est super bon. Hein. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Tu l'as remis tout de suite? Ouais. Après... Ça va fondre et c'est pas bon fondu. Alors j'ai repris de la sucrine à 1,29€. Alors vous avez sûrement l'habitude de les voir, de voir la sucrine dans les images qu'on met dans la communauté. Donc voilà, c'est ça la sucrine. C'est des petites salades. Voilà. Donc nous on aime ça. Mélangé avec du carré frais 0% et un peu de vinaigre. Applaudissements s'il vous plaît, je viens bien. Ah bon donc on est c'est très bon, des sucrines. Oui, oh, c'est bon, voilà. C'est super. C'est magnifique. Alors, le bon pari. Elle étouffe. Donc c'est du jambon. Donc du jambon, bah, il est très très bon. Voilà, ça rime. Et il est très très beau, d'après... Maigre. Ouais, je sais pas. Si, maigre. Maigre, ça veut dire qu'il n'y a pas de gras. Ah, ok, d'accord. Bah voilà, il est maigre. Regardez, c'est beau rosé. ouais, donc le bon pari de chez Erta. C'est beau ça. Ah, attends. Ensuite, alors le jambon, qui dit jambon, dit les tranchettes. Tranchettes. Et ouais, on va faire des croque-monsieur. Voilà. Croque-monsieur, les tranchettes de chez Pâturage. Allez, mental. Voilà. Pâturage, la brique. Et oui, il y avait longtemps. Il y avait longtemps. Attention, le retour. Welcome back, Nier. Voilà. Donc, chez Pâturage. Ça, c'est super bon pour faire un sandwich ou quelque chose comme ça. C'est... Ou même c'est... comme ça, à manger. Ouais, comme ça, mais... Oh non, pas trop. Ouais, on va dire. Alors, les muffins. Toujours et encore, une grande histoire d'amour, les muffins et Julien. Voilà, 4 muffins nature, comme ça, hein. On les présente plus. Hein. Voilà, c'est très beau. Nutella, bon, petit pot. Donc, ça c'est bon, voilà. Ouais, Nutella, le petit pot, parce que les autres pots, c'est pas la peine. C'est... ça grimpe. J'ai pris des amandes pour ma chérie, nature et bon, chez Vico. Amandes non grillées, non salées, riches en magnésium, riches en vitamine E. Voilà. Les amandes. Voilà. Voilà. On va passer à la nuit. Hein. Depuis 1895, il y a le soignon. Chèvre. Voilà, ce nom chèvre, c'est classique. Par contre, les prix, franchement, c'est aberrant. Pour un chèvre, pour ça. Donc voilà. Et encore, c'est le moins cher. C'est le moins cher, voilà. Si je prends un autre boudin de chèvre comme ça, je sais plus la marque, je crois que c'est Soignon, je crois que c'est Chavroux ou un autre. Non, c'est pareil, c'est Soignon. Quand tu prends la taille, il y en a des gros. Ouais, non. Il y a des petits. Mais il y en a un grand, je sais plus la marque aussi, il fait 3,73. C'est un truc de malade. Franchement, l'inflation, on dit qu'elle baisse, mais c'est n'importe quoi. J'ai commencé à me rebeller, moi, attention. Enfin, table la parenthèse. Oh. Ah, des lasagnes de chez Monique Ranou à la bolognaise, 1 kg. Bolognaise. Voilà, très bon au four.
On fait préchauffer le four et c'est parti. Ah bon? Bah du coup, on est en boulangerie, donc toujours 1,05, donc le pain, voilà. C'est des baguettes, des pistolets, comme on les appelle. Donc voilà, c'est du pain. Des déjeunettes. Bureau-tutu. Les sticru. Alors j'ai pris, alors d'habitude le sticru font des pâtes, mais là j'ai vu qu'ils faisaient des lentilles. Ah, lentilles faciles, vertes. En 8 minutes, alors c'est, ça se présente sous deux sachets cuisson. Ah bah regarde, ils le mettent à côté. Ouais. Pour montrer. Ouais. Donc voilà, deux sachets cuisson. Voilà. Et il y a des gros derrière. 10 minutes, c'est prêt. Et je crois même qu'il y a une recette. des lentilles sélectionnées, une tenue de cuisson parfaite. Lentilles vertes, les sucrues gourmandes et prêtes en seulement 8 minutes. Donc on va voir ce que ça donne. C'est plutôt pour Sandra. Alors, je vous lis les valeurs nutritionnelles. Pour 100 grammes, moi je sais pas dire ça. Hein. Donc il n'y a pas beaucoup de matière grasse. En sel, c'est 0,06 g. Protéines, 24 g. Fibres alimentaires, 11 g. Glucides, alors il marque 50 g et 1 g. Matière grasse, il n'a presque pas. Et énergie en kilocalories, 329. Je sais pas, c'est... Voilà. Bref, c'est juste cru, voilà. C'est des lentilles vertes. Voilà. Comme on m'a demandé d'en prendre, j'en ai pris. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis pas trop lentille. Hein. À part à l'armée. Encore à l'armée, on mange plus ça. Hein. Et forcément, si on fait des crocs, on prend du pain et... de demi. De chez Harris, le pain demi sans croûte. Oui, sans croûte. Bah ouais. Nature. Voilà. De chez Harris. Et enfin, voilà. Du look and look cola. Coca. Non, look cola. Cola, ouais. Et non pas Coca-Cola. Cola de Alaska. Voilà, ceci était une petite vidéo retour de course. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le retour de course précédent, les assiettes de Sandra pour le rééquilibrage alimentaire. Ah, franchement, c'est bien. Ainsi que les produits finis. Alors, on fait de notre mieux pour vous présenter les plats, ainsi que de mettre les photos dans la communauté et aussi sur Instagram. Mais sachez que c'est beaucoup de taf, c'est beaucoup de boulot, c'est moi qui m'occupe de ça. Et c'est le montage, ça prend du temps. Ouais. Donc il faut prendre ça en considération. Je me plains pas, attention, j'aime bien faire ça. Donc ça prend du temps à choisir les photos, à prendre les bonnes photos, à filmer pour ce qui concerne les assiettes et le rééquilibrage alimentaire. Il faut prendre le temps de filmer ça tous les jours, hein, matin, midi, soir, goûter et soir, tous les jours. Certes, il y a des moments, on a loupé, donc faut pas m'en vouloir, quoi, pas trop long. Faut pas nous en vouloir parce que des fois, oui, on a autre chose Des occupations. Hein, ouais, on a des occupations de la vie quotidienne. Mais surtout, on fait ce qu'on aime, puis voilà, quoi. Et surtout, on fait ce qu'on aime, on essaye de vous satisfaire aussi de votre côté. Sinon que dire de plus, j'espère que le temps il va s'arranger parce que c'est pas la joie, hein, Marinette, c'est pas du... Oui, en effet, Jean-Pierre, c'est pas la joie. C'est pas la joie du tout, c'est même, on n'a pas le moral avec ce temps. C'est vrai. On n'a pas le moral. Je connais des gens qui sont dans la Somme, je connais des gens qui sont vers Valenciennes, et c'est pareil, on a tous le même temps. Espérons que ça va s'arranger. C'est la merde, quoi, franchement. Et puis qui dit mauvais temps, qui dit mauvaise humeur. Moi j'ai mes idées, hein, mais je vous les dirai pas. J'ai des idées bien arrêtées sur ce type de temps, mais je vous les dirai pas. C'est pas le sujet de la vidéo. Mais un jour peut-être, dans un vlog, je vous dirai des choses. Des choses. Secrètes. Secret des France. Attention. Oh, tu jettes un montage. Donc, mais là, franchement, le temps il est pas du tout. Donc, ça joue, ça joue sur le moral des gens, ça joue sur tout, quoi. Hein. Moi, j'ai mes plantations dehors, commence à faire la gueule, hein, je vous le dis. Hein. Et tomates salades. Tomates cerises, les salades, les persil, bon, ça va, c'est couvert. Mais bon, c'est pas... ça pousse pas beaucoup, hein. J'ai pas de soleil sur mon balcon, le soleil il donne pas, il donne qu'au soir. Alors,
Il y a encore 10 minutes. Même pas. Bah, quand on était, on espère encore en été. Ouais, mais bon, c'est pareil en été. En été, ils annoncent du 47-48 degrés. Oh, oh. Avec un réchauffement climatique. Donc, ouais, on sera dans la météo. C'est... Merci Jean-Pierre. Vous pouvez suivre l'anticyclone des Açores, hein, vers Paris, le Nord-Pas-de-Calais, surtout le Nord-Pas-de-Calais, ici, là. Voilà. En bas, le sud, Marseille, hein, voilà, Lyon, et l'ouest, ouais, voilà, l'ouest, boum, voilà. Non, mais bref. Merci Jean-Pierre. Rien arrivé. C'est que Lyon, je m'arrive. Donc, enfin. Non, voilà, c'est, bon, c'était une petite rigolade, mais bon, franchement, dites-moi de votre côté. Si mais en, fait, le truc, c'est, en fait, il pleut. Oh, c'est chiant, il fait du soleil. En fait, chaud. Nous, c'est-à-dire, nous, les gens du Nord, tout de suite, quand il fait chaud, on se plaint. En fait, on n'est jamais content. C'est-à-dire que moi, je suis déjà allé en Vendée, dans l'Ouest, dans le Sud-Ouest de la France, en Vendée. Quand il fait chaud là-bas, c'est agréable, on se plaint pas. Mais quand il fait chaud dans le Nord, ou dans la Somme, ou dans l'Aisne, il fait trop chaud, ça y est, tout de suite, les gens, il fait chaud, et c'est vrai. Même nous, hein, même moi, c'est pareil. C'est vrai, il fait chaud. Il fait trop vite chaud. Et après, c'est comme ça qu'on a des températures extrêmes. Et après, ça retombe. Et une fois qu'il pleut, en été, c'est fini. Le temps, il est fichu. Et puis, c'est aussi grâce à ça qu'on peut attraper des maladies. Trop chaud, trop froid. En fait, notre corps est désorienté, en fait. On attrape un chaud, un froid, on est malade. Surtout en avril, tu dis qu'on voit pas la file. Ouais, ça, en mai, fais ce qui te plaît. C'est mon mois. Mais fais ce qui te plaît. Attention, le 5 est soigné. Non, pas 5. D'accord. Pas 5. D'accord. C'est n'importe quoi. J'ai dû passer le 5. Ah oui. C'est dû passer le 5. Ah oui, je les ai eus. Merci beaucoup. Donc voilà, sur ce, C'était une petite bagounette. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée. Likez, commentez. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. La cloche. J'adore. Activez la cloche. J'ai pas acheté une clochette exprès. Hein. Non, c'est simplement son collier. Hein. C'est mon collier. Nous l'avons inventé. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Ça coûte rien du tout. Voilà. Donc, on vous laisse. À bientôt. Salut. Tchuss. À bientôt. C'est Zéla du direct. Hein. À bientôt. On vous laisse. Salut. Tchuss.